Beau succès, là, notre 13e édition. Écoute, on a eu des participants qui venaient de partout dans la province, nos associations régionales, Québec, Mauricie, l'Outaouais, des partenaires des autres associations, des partenaires d'entreprises, et ça nous a permis de ramasser au-dessus de 80 000 $. On a notre campagne Sortez Golfer qu'on met de l'avant depuis 3 ans. Cette année, on a eu un très, très beau succès avec notre relayeur qui est Max Lalonde, qui faisait des capsules. Donc, on veut ramener le fun dans le game. Donc, c'est ça qui est plaisant. On a pris cette ambiance-là aujourd'hui avec les gens. Il y avait des drapeaux, sortez golfer. On dit, prenez vos selfies puis partagez ça dans vos réseaux sociaux. Et ça a vraiment amené une belle ambiance. L'année prochaine, ça va être notre 14e édition. On a ramassé tout près de 900 000 en 13 éditions. Donc, ça va continuer. Puis encore une fois, cet argent-là est réinjecté dans les jeunes, dans le golf en milieu scolaire, dans nos sports et études. Alors, c'est ce qu'on veut. Alors oui, c'est important pour moi de supporter le golf ici au Québec et supporter les juniors, parce que quand moi j'étais jeune, quelqu'un a supporté moi. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai eu une carrière dans le golf. Alors, on peut appeler ça un petit peu donner au suivant. Aussi, ça m'a donné l'opportunité, en étant co-président de cet événement, de remercier publiquement toutes les associations de golf au Québec et qu'est-ce qu'ils font pour le golf, qu'est-ce qu'ils font pour les juniors, mais qu'est-ce qu'ils font pour les femmes, qu'ils font pour l'adulte, pour l'industrie du golf. Alors aujourd'hui, on avait des professionnels du club de golf, on avait beaucoup de bénévoles, on avait les gens impliqués dans l'association de tous les coins de la province. Et leur dire merci pour leur implication, c'est vraiment important. C'est important pour nous ici au Club de golf Le Mirage de supporter notre fédération, de supporter l'association, de supporter les jeunes. Depuis qu'on est ouvert au Mirage, on fait beaucoup pour les jeunes. On a un programme de sport-études ici. Alors, M. Noël voulait absolument offrir l'opportunité à la fédération et à Golf Québec de faire le tournoi ici au Mirage. Aujourd'hui, toute l'équipe était fière de recevoir les gens, à partir du valet jusqu'au surintendant du terrain, la restauration, tout le monde. Ils ont vraiment mis la main pour faire cet événement un succès. Alors, moi, je suis fière de travailler ici au Mirage et de représenter toute la direction en disant merci de nous avoir donné cette opportunité-là. Salut tout le monde, Max Lalonde, ambassadeur de la campagne Sortez Golfer. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris part aujourd'hui en tant qu'animateur, mais aussi que joueur à cette 13e édition du tournoi à bénéfice pour Golf Québec. Quel privilège de voir les jeunes athlètes de proche, de passer la journée avec des passionnés de golf sur probablement un des plus beaux terrains au Québec, le club de golf de Mirage, où on a été reçus comme des rois aujourd'hui. Salutations à Malik Dao, avec qui j'ai partagé le 9e trou, qui m'a overdrivé d'à peu près 25 verges, le petit maudit, et qui a réussi à nous faire un Eagle 3 sur un par 5. Mais je dis ça à la blague parce qu'on est à même de constater la qualité des jeunes adultes à en devenir qu'on a au Québec, la qualité des athlètes, la qualité des programmes de formation. Puis c'est un privilège de savoir qu'en une journée, on est capable de ramasser tout près de 90 000 $ pour cette relève-là. Alors bravo à tout le monde. J'espère que vous allez participer, que vous serez là dans les années futures pour ce tournoi-là qui est toujours bien plaisant.